Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al quinto encuentro del seminario del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Ordu Uruguay. En esta oportunidad tendremos al profesor Javier Bonilla Jauz, que hablará sobre América Latina y el neoterrorismo global. Como ustedes saben, la presentación será en idioma francés. Estamos desarrollando en las últimas presentaciones. La anterior fue en idioma inglés y esta es la primera en idioma francés, cosa que haremos de ahora en adelante con bastante asiduidad, así que muchas gracias por participar. El profesor Javier Bonilla Sauce es director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad, es catedrático en Ciencia Política, tiene un DEA en la Universidad de París, tiene sucesivas máster y licenciaturas y ha tenido diferentes publicaciones en Estados Unidos, en Perú, principalmente en México, también en Uruguay y en Argentina sobre diversos temas, principalmente en área en filosofía política, en áreas de la comunicación, de la política comparada. Así que, bueno, sin otro particular, le damos la bienvenida al profesor. Adelante. Bon, très bien, soyez les bienvenus dans cette première expérience de maintenir notre séminaire de discussion théorique du département d'études internationales de l'université en langue française. Et comme vous le savez, on a déjà fait cet exercice en portugais, on l'a fait en anglais et maintenant c'était le tour en français. Le sujet du travail de ce soir, vous le connaissez. Vous avez reçu déjà un paper où le sujet a été exposé. Donc, on aura quelques minutes de présentation. Et à part ça, après, on pourra discuter. Et là, on pourra le faire en langue espagnole. Sans bien. Tout d'abord, je voudrais quand même justifier le sujet que nous avons choisi pour la réunion de ce soir. Nous voulions introduire, on a eu l'intention d'introduire dans notre agenda de travail, dans notre département, un sujet qui n'est pas tout à fait normal, disons, qui ne fait pas partie du monde académique standard. Mais l'actualité de la question du néoterrorisme est tellement grande, son importance dans la presse, son importance comme phénomène d'information, que même s'il n'est pas un sujet strictement théorique, il nous a paru important de tenir compte de ce nouveau néoterrorisme qui nous a éclaté au nez, comme je le dirais, et qui d'ailleurs surgit de toute manière, parce que la dernière semaine, le professeur Vasconcelos, qui nous a fait une conférence, il a parfaitement parlé du même sujet. Donc, c'est pratiquement impossible de l'éviter parce qu'il est présent dans tous les moments de notre actualité. Et d'ailleurs, si on pense un peu plus au-delà de la version de presse du néoterrorisme, je pense que le fait du néoterrorisme pose quand même, si on choisit un peu de nous arrêter pour penser le sujet, il y a des côtés théoriques qui sont réellement importants et qui peuvent être développés. Si je peux m'expliquer d'une manière peut-être moins complexe, il se peut que le terrorisme en tant que phénomène. Il y a un côté policier, il y a un côté, disons, belliciste dans le terme et dans le concept du terrorisme. Si le terrorisme en tant que phénomène n'apparaît pas tout d'abord comme un sujet puissamment théorisable, il n'est pas moins vrai que si on s'arrête à penser en profondeur ce qui implique le terrorisme, on va trouver des sujets théoriques majeur, vraiment majeur. D'autant plus que le néoterrorisme qui nous intéresse nous oblige à ouvrir une discussion, par exemple, et j'ai fait une toute petite énumération, sur la question religieuse, sur la question de la laïcité, sur la question de pourquoi et comment utiliser le concept de tolérance et sur la question de quelle tolérance est pertinente par rapport à ce sujet.
Donc, ces cinq sujets déjà que je viens d'énumérer, ce sont cinq sujets qui ont une puissance théorique assez importante. Bien, ça c'est un point d'introduction que je voulais faire pour signaler pourquoi on a choisi ce sujet un peu qui est lointain des livres qu'on utilise dans les cours. Un deuxième point qui, de toute manière, est encore introductoire, que je placerai à niveau de l'introduction, a à voir avec un problème qu'on pourrait appeler de perspective. Et si on cherche un peu plus, peut-être on pourrait le baptiser comme un problème épistémologique, dans un certain sens. Il faut que nous reconnaissions que nous, quand je dis nous, je pense en Amérique latine, qui nous sommes des vieux habitués au terrorisme traditionnel, parce que le terrorisme en Amérique latine dure depuis des siècles, mais du terrorisme traditionnel, en fait, on est bien loin de ce néo-terrorisme qui nous intéresse aujourd'hui. Notre terrorisme est un terrorisme qui date depuis peut-être 200 ans, deux siècles. Mais le néo-terrorisme, c'est quelque chose qui nous est un peu lointain, qui n'est pas quotidien pour notre vie en tant que latino-américain. Un exemple qui n'est pas très brillant, qui n'est pas très agréable. Après l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, l'Amérique latine et l'Amérique en général, comme une région, et bien que l'Amérique latine ait subi quelques attentats pendant des périodes préalables, n'a pris que des positions pas très fermes par rapport à l'attaque que les États-Unis ont subie en septembre 2001. Bien sûr, en contrariant, disons, une vieille tradition américaniste, en contrariant le traité de Tiar, qui implique que tous les pays de l'Amérique doivent se défendre entre eux. Lorsque les États-Unis ont subi le premier attaque, en septembre, une partie des pays latino-américains ont fait une sorte de défense tiède, une solidarité verbale avec les États-Unis, mais très gravement, il y a d'autres groupes de pays qui, malheureusement, ils ont pris des positions très différentes. Ils étaient incapables de se rendre compte que l'attaque que les États-Unis venaient de subir au World Trade Center de New York n'avait rien à voir avec la guerre froide. Ce n'était pas une attaque contre les États-Unis, c'était une attaque contre la civilisation occidentale. Donc, ils ont réagi de façon anti-américaine. Je ne dirais pas qu'ils ont applaudi, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils ont fait, c'est faire semblant que rien de très grave s'était passé. Quelqu'un a même commencé à tisser des liens diplomatiques avec des États carrément et strictement terroristes. Le cas de l'Iran. Notre chancellerie a fait un de ses premiers voyages en Iran après les attentats de 2001. C'est-à-dire que pour certains pays d'Amérique latine, au lieu d'être vécu comme une attaque à l'Amérique et à l'Amérique qui fait partie de l'Occident, les attaques du néo-terrorisme ont été vues comme une attaque contre l'impérialisme américain. Et ça, je pense que c'est une erreur majuscule du point de vue politique et surtout philosophique. Donc, et je ne voudrais pas laisser de mentionner des pays comme Cuba, comme Venezuela. Une bonne partie des régimes populistes latino-américains, je ne dirais pas qu'ils applaudirent, mais d'une certaine manière, ils profitèrent ou essayèrent de profiter. Et je voudrais simplement rappeler que M. Ahmadinejad, l'ancien président de l'Iran, a fait une véritable tournée par l'Argentine, le Venezuela, et probablement j'oublie de quelques pays, et ces tournées ne sortent pas comme ça, tout d'un coup, miraculeusement. Elles ont été construites parce que c'était une opération diplomatique de rapprochement des pays anti-impérialisme avec les islamistes terroristes qui venaient d'attaquer. En résumé donc, et ne perdons pas beaucoup plus de temps avec cette introduction, je crois que devant l'apparition du néo-terrorisme,
un grand nombre de pays latino-américains ont très mal réagi du point de vue politique. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais l'Amérique latine, dans un certain sens, toujours ancrée au passé, n'a rien compris de ce nouveau phénomène qui est le néo-terrorisme. Le néo-terrorisme n'appartient plus à la guerre froide, n'appartient plus au XXe siècle. Le néo-terrorisme est un phénomène qui vient de ce siècle, même s'il a des racines bien plus lointaines. Probablement, et ça c'est une hypothèse que je ne saurais pas démontrer, probablement après les attentats de Madrid, les attentats de Londres, les multiples, infinis attentats qu'il y a eu en Afrique, parce que nous, on n'a même pas le compte des attentats qu'ils ont, les djihadistes, amenés en Afrique, et les deux attentats de Paris, peut-être que dans certaines élites politiques latino-américaines, certaines questions commencent à se poser. De toute manière, j'aimerais savoir si dans notre Parlement aujourd'hui, on posait la question. Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme djihadiste, du néo-terrorisme? Je ne suis pas tellement certain de quelle réponse on obtiendrait. Mais laissons la question là et ne cherchons pas trop à bouger les choses. Comment pourrais-je dire, je voudrais finir cette partie d'introduction avec des exemples peut-être moins abstraits et plus concrets. Quand j'ai écouté il y a quelques années les réactions de ces pays latino-américains qui pratiquement étaient contents parce que les États-Unis avaient subi une attaque, ça me faisait rappeler assez supporters de football qui au moment où l'équipe de son pays est en train de perdre, il est content parce que le joueur qui a mis un but, c'est de son équipe personnelle à lui. Non, il est incapable de vivre le phénomène américain, américain comme région, comme continent. Ou une autre façon de le poser, c'est l'Amérique latine a une tendance vraiment compliquée à combattre, de vivre dans un monde qui est, dans un certain sens, un peu petit, un peu rétréci, qui arrive du mal à se positionner dans le monde global. En langue française, il y a une expression très, très connue, c'est cloche-merle. Cloche-merle, c'est un roman de 1934 qui décrit la vie d'un petit village paysan français. Bon, l'Amérique latine garde un côté cloche-merle qui n'arrive pas à le dépasser et qui devrait le repasser une fois pour toutes. C'est pour cela, et je finis l'introduction là-dessus, que nous disons dans notre texte, dans la version espagnole d'ailleurs, que ça y est, qu'on est arrivé à un niveau à partir de laquelle il n'y a plus de place pour jouer à la tolérance religieuse éclairé avec des ordres d'assassins. C'est la fin du buenisme. J'utilise le terme buenisme dans mon texte, qui est un texte, une expression qui vient d'un article du País de Madrid. Bien. Entrons donc dans le vif du sujet. Tout d'abord, peut-on justifier l'idée qu'il y a un néo-terrorisme? Il faut fonder ce concept. Terrorisme, il y a eu pendant des siècles, et c'est un très, très vieux phénomène. Quels sont les fondements conceptuels, solides, pour avoir une nouvelle catégorie de terrorisme, comme nous l'avons fait dans ce travail que je vous présente aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce djihadisme du XXIe siècle, du XXIe siècle, qui mériterait d'être baptisé comme néo-terrorisme? En quoi est-il différent, spécifique, au point qu'il peut être justifié comme un djihadisme ou comme un terrorisme nouveau? Ou si vous voulez, de le poser d'une autre manière moins abstraite, on pourrait poser la question de la façon suivante. Quels sont les traits, les éléments partagés entre Al-Qaïda, Al-Nostra, Daesh, Boko Haram, Al-Shabaab, et il y a une liste beaucoup plus longue que d'ailleurs moi j'ai du mal à suivre,
qui permettent de les mettre ensemble et à part de la longue tradition terroriste que le monde occidental et le monde non occidental connaissent depuis des siècles. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, de spécial, ces groupes-là? Je dirais, pour simplifier, trois choses pour essayer d'être assez concret. Primo, ce sont tous des mouvements terroristes et ils partagent les attributs, les caractéristiques de tous les terrorismes. Je lis un classique, Martha Crenshaw, la grande théoricienne du terrorisme, « L'usage de la violence contre les civils ou non-combattants, de manière planifiée et occulte, dans le double but de frapper l'ennemi et faire de la propagande sous la puissance du groupe. » C'est une définition classique du terrorisme, et ça, ils entrent le terrorisme traditionnel et notre néo-terrorisme. Ils le partagent. Qu'est-ce qui différencie le néo-terrorisme de cette définition? Primo, tout en partageant ces caractéristiques, nous dirons que ce néo-terrorisme est totalement déconnecté de toute référence géographique stable. Il est beaucoup plus qu'international. C'est un terrorisme strictement global qui peut frapper n'importe où, à n'importe quel moment. Ce qui n'était pas clair dans les autres terrorismes. Du terrorisme international, il y en avait toujours eu. Mais c'est différent d'un terrorisme qui peut frapper dans 2, 3, 4, 5 pays, dans un terrorisme qui a comme objectif frapper n'importe où dans la planète. Et ça, c'est une différence conceptuelle d'importance. Deuxièmement, les objectifs des terroristes, des néo-terrorismes, sont comme toujours des simples citoyens. Ceux qui payent la facture des terrorismes sont toujours les simples citoyens qui passent dans la rue. Mais pourquoi ils sont tués? Pourquoi ils sont attaqués? Ils sont attaqués en général pour plusieurs raisons. Dans ce cas, les éléments culturels et religieux sont très forts et déterminent en grande partie les cibles politiques et les cibles individuelles que les terroristes choisissent. La seule référence commune, et ça c'est très spécial parce que c'est un mouvement qui est fortement éparpillé, c'est pas un mouvement centralisé qui peut être conçu comme une organisation. Ceci n'est pas une organisation, c'est un réseau très flou, très ouvert. La seule référence commune qui articule la grande pluralité de groupes que nous avons mentionnés, et ceux qui nous n'avons pas mentionnés parce qu'on ne les connaît pas tous, devrait être celle de, à mon avis, ils s'alignent tous dans une guerre de religion qui, en ce moment, divise dramatiquement le monde musulman et la religion islamique. C'est-à-dire, pour comprendre comment ce néo-terrorisme est né, il faut aller voir ce qui se passe au sein de l'islam. Et au sein de l'islam, il y a une véritable guerre de religion, comme nous avons vécu, nous, occidentaux, au XVIe et XVIIe siècle, en Europe, une guerre de religion entre protestants et catholiques. En ce cas, nous avons une guerre de religion entre sunnites et chiites. Ça, c'est le moteur qui permet l'apparition de ces terroristes. Mais, le néo-terrorisme est surtout d'appartenance sunnite. Du côté chiite, on peut trouver des groupes terroristes, à mon avis, c'est une opinion qui peut être contrecarrée par d'autres hypothèses, Hezbollah, c'est un mouvement terroriste traditionnel, à mon avis. Tandis que Daesh, Boko Haram, Al-Nostra, Al-Qaïda, ce sont des mouvements carrément néo-terroristes et appartiennent à la mouvance sunnite. Une petite digression pour prendre des précautions théoriques. On peut se réveiller et on peut prendre la télévision, ouvrir la radio et trouver qu'il y a eu un attentat fait par des groupes chiites qui commencent à copier la mécanique des sunnites. Mais pour le moment, je dirais qu'en ce moment, à la date d'aujourd'hui, cette galaxie de groupes qui fonctionnent de façon très peu, très laxe,
et fondamentalement aligné sur l'axe sunnite. Bien, si ceci est vrai, nous devrions trouver une sorte d'explication. Bien sûr, ce n'est pas ici le meilleur espace pour avoir une explication théorique approfondie, et je ne veux pas abuser de votre confiance et de votre temps pour vous tenir ici plusieurs heures. Mais j'ai quand même une certaine certain nombre d'éléments qui me paraissent qui sont importants d'être apportés ici. Une simple approximation de l'actualité politique des dernières années. La très mal appelée printemps arabe, non, le printemps arabe. Qu'est-ce qu'il a montré? Ce que le printemps arabe nous a montré, à mon avis, c'est que même si certains pays, comme par exemple, prenons des pays qui sont considérés relativement modernes, la Tunisie ou l'Égypte, étaient habités par des institutions relativement semblables aux nôtres, n'est-ce pas? Même s'il y avait ça, en dessous, il y avait un mouvement musulman archaïque, anti-moderne, théocratique, clérical, qui était en condition de croître, de se maintenir, et qui a fini par profiter du mouvement de printemps arabe pour renaître. Monsieur Morsi a été président, et parce que le président militaire de l'Égypte antérieure a été démis, Monsieur Morsi a gagné des élections, je ne sais pas par quelle procédure, si correctement ou incorrectement, mais ce qui est un fait, c'est que la mouvance musulmane archaïque était là, était suffisamment puissante pour gagner ces élections. Ce qui a déterminé que le général Al-Sisi a dû réintroduire l'autoritarisme pour reprendre le pouvoir avant que les musulmans reprennent le contrôle de la... Je pense que si on pense, ou si on regarde le monde musulman, la Syrie, l'Irak, Yémen, l'Afghanistan, le Liban, tous ces pays-là sont, dans un certain sens, attrapés dans cette disjonctive qu'on va essayer, dans essaye de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et ça permet de voir pourquoi est-ce que non. Je parle de guerre de religion, je ne parle pas de guerre de religion pour faire un jeu de mots, parce qu'en fait, il y a des mouvements religieux qui ont le degré de primitivisme qu'ils pouvaient avoir les calvinistes en 1750 ou l'Église catholique en 1650. Je pense que la mouvance de toute cette activité terroriste peut avoir cinq grosses explications. Très, très schématiquement, pour finir, pour ne pas faire ça très long. Premièrement, il y a une très vieille explication qui, à moi, ne me convainc pas du tout, qui est que la radicalisation du djihadiste qui crée le néoterrorisme provient de la résistance de la population palestine, des groupes pro-palestiniens qui ont été, d'une certaine manière, malmenés par l'installation de l'État d'Israël. C'est sans doute un point de départ, mais il faut quand même expliquer un espace temporel très large. Israël est créé en 1947-48 et nous trouvons le néo-terrorisme en 2001. Donc il faut, pendant ce demi-siècle, les Palestiniens faisaient du terrorisme normal, mais il n'y a pas eu ce changement qualitatif que j'essaye de mettre à jour ici. Donc je ne trouve pas que cette explication soit trop convaincante. En deuxième lieu, il y a des événements plus proches. Fondamentalement, quatre grandes interventions occidentales en terrain musulman, en terrain islamique, deux russes et deux américaines. Une russe en Afghanistan, puis suivie par
plus tard par une Américaine en Afghanistan et deux Américaines en Irak. Cette deuxième explication, pour moi, il a probablement l'avantage de nous expliquer un peu comment ce qui est après devenu Daesh, ou ISIS, comme on peut l'appeler, en fait provient des cadres militaires irakiens. Mais ça ne produit pas une explication théorique de fond du mouvement qui s'est mis en marche. Donc c'est plus une explication de comment s'organise l'aspect militaire de ce phénomène qu'une explication théorique du phénomène qui sont deux choses différentes. La troisième est très importante parce qu'elle a à voir avec nous, avec l'Occident et avec l'Europe. La troisième, et je vais lire une traduction de l'article du País de Madrid, qui est, à mon avis, très ironique, mais qui est excellent. La troisième explication dit que, enfin, ce qui se passe, le terrorisme, c'est la faute au gouvernement de l'Occident, qui s'obstine à proposer et à défendre les valeurs contraires de l'État islamique. Occident insiste à défendre ce que l'État islamique méprise, la libre expression, la souveraineté de la loi, l'égalité et d'autres éléments basiques de la démocratie libérale. À cause de ça, comme l'Occident insiste à défendre ses valeurs, alors les terroristes se développent. Renvoyez la responsabilité des attentats indiscriminés réalisés partout dans le monde, les attentats dont on parle ne se passent pas forcément en France, en Angleterre. Voilà. Le gros des attentats se passe en terrain musulman et en terrain islamique. Renvoyer cette responsabilité à l'Occident me paraît, à mon avis, et je cite de nouveau l'article, une position moralement inadmissible. Si historiquement on pourrait accepter que l'Occident ait pu avoir une certaine responsabilité historique, l'assassinat indiscriminé n'a pas d'autre responsable que celle des assassins et ses mandataires. Ce sont des délinquants de bas niveau qui ont trouvé une rédemption personnelle dans une idéologie qui fait le culte de la mort, qui croit compter avec l'appui divin quand il décapite des infidèles, quand il lance des homosexuels des grands buildings, qui lapide des femmes supposément adultères et qui viole, esclavise et prostitue des filles de 13 ans. Attention, parce que dans une certaine gauche occidentale, on a une tendance systématique à culpabiliser une supposée histoire qui, l'histoire, elle est comme elle est. Elle n'est pas ni bonne ni mauvaise. On peut la critiquer, mais renvoyer cette responsabilité à un siècle en arrière, c'est une opération qui est éthiquement inadmissible, à mon avis, et je suis d'ailleurs. Donc, la tentative de responsabilité de l'Occident est triplement fausse. Primo, le nombre de morts que le néo-terrorisme islamique cause entre les populations du monde, et surtout, ce sont surtout des morts musulmans. Ce ne sont pas des occidentaux, ce sont des musulmans. Deuxièmement, quand l'Occident cause des morts civiles, les Occidents prennent ça comme un acte lamentable. Les djihadistes en font la fête. C'est une fête. Il y a eu plus de morts, parce que c'est un culte de la mort. Et troisièmement, parce que, à notre avis, comme nous l'avons dit, la conflictivité qui alimente ce néo-terrorisme, en fait, naît de l'opposition intra-islam entre chiites et sunnites. Donc, l'Occident a peu à voir avec ça.
Un quatrième élément d'explication, qui est, je vais le mentionner même s'il n'est pas très imaginatif, c'est inverser la situation complètement. Et dire, bon, non, attention, ici, par des raisons historiques propres ou parce qu'Occident a aidé, il y a eu, et se sont formés au sein du monde islamique, deux grandes puissances, qu'on peut schématiquement dire que c'est l'Arabie saoudite et l'Iran, et l'accroissement de ces puissances a mis en marche des processus suffisamment complexes pour que nous soyons maintenant dans une situation comme celle que nous voulons décrire et que nous appelons néo-terrorisme. Je trouve que c'est un peu schématique, évidemment. Nous savons que ces deux puissances existent. Nous savons que, par exemple, je trouve très... Je pense que j'ai discuté avec Mauro hier. J'ai trouvé très intelligent la position de Obama. Quand il a, même si Israël n'a jamais aimé, mais la position de Obama de régler, établir une situation de certain équilibre avec l'Iran, il me semble hautement intelligente parce qu'elle permet que les États-Unis et dans une certaine manière l'Occident garde une distance par rapport à une guerre de religion qui n'est pas la nôtre, qui est la leur. Que eux, ils veulent nous compromettre, ça, sans doute. Eux, ils veulent que nous alignions avec les sunnites ou avec les chiites, mais nous, on n'a pas à nous mettre là-dedans. En tout cas, on a à défendre nos valeurs. Et je pense que sous le couvert de régler le programme nucléaire d'Iran, Obama a fait une manœuvre politique de haut niveau. Enfin, ça, je ne peux pas le démontrer, c'est une impression, c'est une chose que, vous savez, il n'y a pas de preuves sur là-dessus. Parce que si on pense, deux années en arrière, les États-Unis étaient pratiquement collés à l'Arabie saoudite. Donc, le monde chiite était séparé de la grande puissance que les États-Unis sont. Pour finir, l'explication à laquelle je lui donne plus d'importance, parce que je crois que c'est la seule qui apporte quelques éléments théoriques et non simplement historiques ou conjoncturels ou même militaires, comme celle que nous avons, ou même au bord de la stupidité, comme celle de la responsabilité occidentale. Moi, je dirais, avec d'autres auteurs, je commence par citer un très classique qui est Amir Malouf, un livre qui est très connu, qui s'appelle « Les identités meurtrières », dans lequel il soutient, avec d'autres, dans d'autres livres, que dans le monde islamique, le processus de sécularisation ou de la modernisation que la sécularisation entraîne, ou bien une exposition a totalement fracassé, a été un désastre, ou bien il a eu ce processus des difficultés très grandes. Je pense que Malouf, qui est celui qui préfère la posture la plus radicale, qui dit que la sécularisation est complètement ratée dans le monde musulman, je pense que c'est un peu schématique. Je pense que si on fait un petit chemin historique au début du XXe siècle, nous allons trouver des phénomènes comme le mouvement d'Atatürk, nous allons trouver comme le phénomène de comme Nasser, nous avons trouvé le phénomène de la naissance des Pays-Bas, nous avons trouvé le Shah d'Iran, nous avons trouvé une poignée ou un groupe assez important d'entreprises de modernisation et de sécularisation qui ont entrepris la tâche de non finir avec l'islam, mais transformer l'islam de la façon dont l'Occident a pu le faire pour transformer, en partie au moins, l'Église catholique ou l'Église ou les autres églises. Mais tous ces exemples que je viens de vous dire, et peut-être j'oublie quelques-uns, ont été des tentatives de sécularisation de la société islamique profondément autoritaire et profondément violente. Et ce n'est pas la même chose, séculariser
l'Espagne ou la France pendant 300 ans ou 400 ans que vouloir séculariser la Turquie, qui d'ailleurs se désécularise rapidement. Et dans la nuit d'hier, j'ai su qu'ils veulent changer la constitution pour la transformer dans un État islamique, après Atatürk. Ça, c'est d'hier soir. Vouloir d'un coup de main balayer une histoire ancestrale pour remplacer et moderniser par la voie de la force dans le sens le plus large du mot. Je pense que la cassure que les sociétés musulmanes et islamiques ont eue par rapport à leur modernisation peut être trouvée, qui le sait, là. Ou Amir Maalouf a raison. Amir Maalouf s'en va plus loin. Il fait responsable des 600 années d'Empire ottoman. Ce qui est vrai, l'Empire ottoman, ça n'a pas été vraiment un moment glorieux de l'histoire de l'humanité. Les Arabes et les musulmans ont eu des moments bien plus glorieux en Espagne et dans d'autres pays. Le moment ottoman n'est pas le meilleur moment. Mais je trouve que de toute manière, je pense que la poussée modernisatrice du début du XXe siècle est quelque chose à tenir en compte, à prendre compte de ça, prendre compte de comment il commence, très vite il montre ses limites. J'ai trouvé il y a quelques semaines une filmation assez vieille, 1950, d'un discours de Nasser. Nasser parlait à une auditoire de 3 à 4 000 personnes. Et il faisait une histoire, il disait, je viens, hier ou avant-hier, j'ai reçu le chef des frères musulmans. Et ils m'ont demandé que, comme président de la République, j'exige que toutes les femmes égyptiennes portent le voile. Et je lui ai répondu, monsieur Antel, vous avez une fille qui va à la faculté de médecine, et je sais qu'elle ne porte pas le voile. Si vous, qui êtes le père, n'êtes pas capable de lui faire mettre le voile à votre fille, comment voulez-vous que moi, je lui mette le voile à 10 millions de femmes égyptiennes? Et en ce moment, l'audience esclave de rire, et tout le monde rit de façon incontrôlable. Ça, c'était l'Égypte en 1950. Aujourd'hui, cette scène est impensable, absolument impensable. À quel point donc la tentative de sécularisation, de modernisation des sociétés islamiques a été quelque chose de raté. Bon, je ne voudrais pas prendre trop de temps, je voudrais quand même discuter parce que je pense que le sujet donne bien des éléments pour une discussion a posteriori. Merci beaucoup pour votre patience.